I learned a lot from Mondo Gushat. He was always looking for something for the community to work for. C'était comme un martyr, une manière de martyr. C'était pas le feu, mais c'était la glace, le froid. Et j'avais beaucoup d'admiration pour lui. He comes and helps us, gives us advice still. Octobre avec le brise-glace à Chesterfield. Puis tout le monde était malade, là, ils avaient la rougeole. Les gens avaient la rougeole, puis il y avait déjà plusieurs morts. Alors c'était un des premiers travaux qu'ils ont dû faire. C'était aider à enterrer les morts. Ah, c'est l'histoire d'une grande aventure qui commençait, puis je m'en doutais même pas. J'ai toujours aimé écrire. J'écrivais beaucoup. J'avais beaucoup de correspondants de guerre pendant la guerre. Mes tantes religieuses cloîtrées avec lesquelles je correspondais. C'était pour Baker Lake. Ils étaient en train de construire une nouvelle mission, puis moi, j'avais été beaucoup dans les constructions, comme étudiant pendant les vacances. Je travaillais tout dans les constructions, j'aimais ça. Puisque dans ce temps-là, il n'y avait pas de maison, et nous autres, on avait une petite baraque, là, qui, je me rappelle, quand le sac de couchage était pris dans le mur, dans la glace, il y avait au moins 3 pouces de glace sur le mur. À Ville-Marie, qui est mon village natal, dans le Témiscamingue, les gens étaient très chrétiens, très religieux, très près de Dieu. Et leurs missionnaires leur importaient beaucoup. Et mes tantes avaient choisi chacune son missionnaire. Et on m'a demandé, t'aimes ça écrire, toi, Paul? Pourquoi est-ce que tu prendrais pas ton missionnaire, toi aussi? Alors, on m'a donné le père André Goussard, qui était un Belge, qui était au Nunavut, dans des missions très éloignées et qui était très solitaire. J'ai écrit ma première lettre. Je ne savais trop que lui dire. Et je lui ai envoyé en même temps un livre que je venais de publier qui s'appelait « Les Guinois », qui était vraiment l'histoire de la petite famille d'Aveluy. À ce moment-là, j'avais 4 enfants, je pense. Le père Charles Schock, qui était avec moi à Baker Lake, avait donné mon nom parce que Madame d'Aveluy voulait faire quelque chose pour les missionnaires. Puis il avait donné mon nom, alors comme ça, que mon missionnaire. Et j'ai répondu tout de suite, dès que j'ai vu, il m'a dit ça. Et un mois après, j'ai reçu sa réponse. Me disant, je l'ai ici devant moi, un grand merci pour votre bonne lettre et le journal des Guinois que j'ai lu avec grand intérêt et qui m'a rappelé mon enfance qui s'est passée dans d'autres circonstances, un autre pays, mais à laquelle il y avait comme base le même esprit de famille et chrétien. Alors, les bases étaient mises. On était des amis, presque des copains.
Les gens étaient vraiment pauvres, même à Baker Lake dans ce temps-là. Ils vivaient dans les terres, de la chasse et de la pêche et tout ça. Quelquefois, il y avait seulement deux chiens, puis les gens marchaient parce qu'il n'y avait pas assez de gibier pour nourrir les chiens. C'était la situation à Joe Haven aussi, quand je suis arrivé là. Il y avait un vieux père, le père Henry, qui était à Joe Haven dans ce temps-là. Mais il avait beaucoup de voyages à faire, alors il fallait un jeune pour faire les voyages. Il lui est arrivé des aventures extraordinaires, comme la fois où il était avec deux catéchistes et il faisait extrêmement froid. Un matin, en sortant son bras de son sac de couchage, il a accroché le petit poêle Primus et le feu a pris dans l'igloo. Et lui-même a été brûlé au deuxième degré, je pense. Alors, ils sont partis avec les chiens, lui tout souffrant, tout brûlé, presque mort, d'atteindre le poste de radar. On l'a transporté par avion. Là, il a été 3 mois à récupérer. Et il compte ça tout bonnement, comme si ça faisait partie de la vie. Je peux certainement être très reconnaissant parce que j'ai survécu tous ces accros. J'ai probablement eu une douzaine de vies. Il avait construit une maison là, en roche, le père Henry. Et je couchais dans le toit, sur des pots de caribou. Et j'étais là seulement 2 jours. Et il avait des plans. Je devais faire un voyage en traîneau à chien avec un compagnon, un Inuit. Alors on devait aller faire un baptême sur l'océan Arctique. La famille était à la chasse. Au printemps, ils étaient dans la tente. Il y avait de l'eau partout, au-dessus de la glace. Hein. Puis ça faisait pitié. Les enfants ne pouvaient pas être lavés. Il n'y avait rien. Ça m'a fait de la peine. Au printemps, les enfants qui étaient à l'école à Chesterfield devaient retourner à Joe Haven. Il me racontait, dans ce temps-là, les enfants étaient envoyés dans des écoles et revenaient passer l'été chez leurs parents. Et lui ramenait les enfants. Alors, on est parti de Baker Lake 5 pour l'île de King William. Parce que le temps était mauvais, on atterrissait parce que c'était sur ski, le petit avion de Norseman. Ça nous prenait 3 jours par avion pour arriver à Joe Haven. Le père du Liard, à Garry Lake, est mort en octobre dernier, perdu dans une poudrerie à quelques milles de sa mission. Ça, c'était déjà quelque chose qui brisait le cœur. Personne pour recevoir les enfants. Plus de nourriture dans la mission, pas de chauffage, 2 vieux matelas, un aspect lugubre. On part et à peine une demi-heure partie, on est obligé de rebrousser chemin à cause du mauvais temps. Et ça continue comme ça, avec tous ces obstacles que la nature leur met et qui me racontent. Et je voyais un film, je les voyais, un petit point dans l'immense nature, organisé bien pauvrement, et avec le souci des enfants qu'ils transportaient. Ces lettres-là, me faisait pénétrer dans un univers tout à fait différent du mien, qui était un univers douillet, en somme, bien organisé, avec beaucoup de monde. Et le père était, lui, tout seul là-bas, dans ses grandes solitudes blanches. Et il y avait tellement de difficultés, il me racontait, que mon cœur allait vers lui spontanément. Les premières années que j'étais là, je voyageais au moins 8 mois par l'année où j'étais enthousiaste. On était jeunes et on voulait conquérir le monde.
In those days, we used to go up to Dewline site, you know, by dog team, looking for a piece of wood and stuff that we can use from their dump area, you know, dumping the material and stuff. There was an Inuk guy from Iglulik who works up there. He came to us, he said, look, there is a priest coming in later this evening. Would you wait for him? He's going to Pali Bay. So we waited, brother and I, and then plane came in. There was Andrew Gushart. We shook his hand, and he was told that we could, we'll bring him by doctor to here. So that's how I met him. C'était tout le début. La mission avait établi un magasin général. Et puis ça faisait 200 000 de Leapers Bay à Pelibé entre nos chiens. Les Inuits faisaient ça. C'était pas grand-chose qu'ils pouvaient amener. Un peu de farine, thé, du tabac. When we first came in from Repulse Bay, this stone house, it was still being used by the community. There was no houses, nothing, no other structure except there was a priest living in here. Et le père Henri, il avait une petite maison. Ça, c'était aussi là, l'église. Les gens étaient tassés là-dedans. Puis il y avait l'hôtel, faisait la séparation. Il y avait un petit coin là où il y avait le lit, c'était son lit. Mais on se demandait comment est-ce qu'il peut dormir là, parce que c'était tellement court. Moi j'ai exploré ça là. Il avait ses pieds en dessous de l'hôtel. Il n'y avait personne qui vivait à Pelibé même. Pendant une grande partie de l'hiver, ils étaient dans les camps, puis ils revenaient seulement à la mission pour traiter. Quand ils arrivaient comme ça, quelques jours avant Noël, chaque famille qui arrivait faisait leur propre igloo. Quand les igloos étaient construites, leur famille était dedans, bien installée. Ils avaient construit une grande coupole au-dessus, le kagek, ils appelaient ça. Ça, c'était pour les jeux. Les jeux, ils étaient tous ensemble. Chaque famille avait sa lampe à l'huile de phoque. Ça chauffait un peu. Alors là, les jeux commençaient une fois que toute cette construction était faite. Les jeux commençaient. Pendant une semaine, deux semaines. C'était tous ensemble. Ils avaient de la nourriture, ils avaient des poissons, ils avaient des phoques. C'est tout ce qu'il leur fallait. À ce moment-là, au Québec, on savait qu'il y avait des missionnaires au Basutoland, en Afrique, un peu partout, en Amérique du Sud. Ceux du Grand Nord, on les connaissait peu. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à les connaître, par la correspondance. J'ai vu aussi cette correspondance comme un moyen de mettre mes enfants au courant des difficultés que certains avaient à remplir leur mission. Je me souviens en particulier du temps de Noël, où on avait préparé un paquet de Noël pour lui et pour ses ouailles. Et je rappelle mon grand garçon de 13-14 ans, qui était tout dévoué pour aller chercher des bonbons. Le père avait dit, je lui avais demandé de quoi il avait le plus besoin. Il m'avait dit, c'est une bonne paire de bottes. Alors, il m'avait donné la grandeur. Et on était allé acheter les bottes et on avait fait la boîte avec les bottes et beaucoup de trésors pour ces jeunes Esquimaux. Et ça avait été un moment familial dont je me souviens avec beaucoup de plaisir. C'était vraiment le plaisir quand les paquets arrivaient pour les
des orphelins qui étaient là toujours. Dans toutes les lettres que j'ai, je remercie Paul souvent. C'était vraiment un support aussi pour moi-même d'avoir ce contact-là. Father Andrew Bouchard, he knows that old ways were slowly going. He knows that people were now moving into a settlement. Before then, we used to be nomadic, we were out on the land. He noticed that, and he wanted to do something for the people. La transition commençait à se faire entre la vie nomade et la vie établie dans des villages. Il n'y avait pas de sécurité quand on était dans la vie nomade, quand tu étais malade. Pas de médecine, mais rien du tout. Les gens sont arrivés, restés dans le village. Et qu'est-ce qu'on va faire? Adjoeven même, c'est pas un terrain excellent de chasse. Il y a des phoques un peu, pas tellement à l'été. Il y a du poisson aussi, mais pas assez pour nourrir tout un village. Alors il fallait faire quelque chose pour amener de la nourriture des terres. Il y avait la rivière Bac où il y a beaucoup de poissons, énormément de poissons. Il fallait organiser quelque chose pour amener ce poisson-là à Adjoeven. On va faire une coopérative pour que les gens peuvent mettre ensemble. Puis on a pu acheter un petit tracteur pour amener le poisson. Les hommes faisaient la pêche, ils étaient partis une semaine ou deux. Et après, là, avec le tracteur, on allait chercher le poisson. Et c'est comme ça que ça a débuté à Adjoeven. Quand on parlait des coopératives, on prenait l'exemple de comment ils travaillaient ensemble avant déjà les gens. Par exemple, quand ils faisaient la chasse aux phoques, à l'hiver, il fallait trouver les agglous, les trous dans la glace où le phoque venait pour respirer. Et c'était très important de couvrir autant de trous que possible. Alors, quand il y avait un qui attrapait un phoque, tout le monde profitait. Alors, c'était déjà travailler ensemble. Nos efforts ensemble, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ça, c'était un peu l'approche. Je sais qu'à ce moment-là, il a eu l'idée de leur trouver quelque chose de valorisant à faire eux-mêmes, chez eux. Et il a beaucoup encouragé un début de coopérative. It was back in 1966. Andrew Bouchard came back to Kugavro. Missionary was not only teaching religion. They have to work to survive. They have to go seal hunting. They have to fish to survive. First, they live in igloo, just like the rest of the people in the community, for the sake of converting people. When we were there as missionaries, we saw this misery. For me, I couldn't parler aux gens sans faire quelque chose pour améliorer la situation, faire un monde meilleur. C'est ça les coopératives.
le gouvernement, ils ont eu un grand programme de maisons, de 3 chambres à coucher, préfabriquées. They all came in by airplane. C-130, Hercules, big transport plane. Il fallait qu'il atterrisse sur la glace de la mer. Alors, il fallait 54 pouces de glace pour soutenir. On avait fait une piste d'atterrissage sur la mer. We asked the government if we could do the contract to build these homes. There were 32 houses. Après beaucoup de négociations, on a obtenu un contrat, $650 par maison. He saw the potential of the local here. He knows that, you know, you cannot be your own master unless you can have some type of security, economic security. On trouvait des places entre les roches partout là, pour construire des maisons. J'avais construit une maison avec 4 Inuits. Et eux, ils devenaient les contremaîtres là, ils prenaient leur propre équipe après. Ils ont construit toutes les maisons en un mois. Tout le village travaillait avec, même les femmes, parce qu'il fallait amener tout à la main. Il n'y avait pas de route ni rien du tout. Ils étaient fiers de ça, les gens. Et ce sont encore les maisons qu'ils ont aujourd'hui. Quand on a commencé la coopérative, le but, c'était toujours l'éducation pour les gens. Il y avait beaucoup d'entraînements qui se tenaient. Tout le village était impliqué. John Ninga, il avait assez d'entraînement, assez d'éducation pour venir à Peribé comme manager de la cour. Puis il l'a fait pendant 5 ans. Once we started the cooperative movement, Andrew Grussard used the Western style of operating a business. The funny thing they used to tell me is that, John, you know, we're going to make an application. Make sure we have more than one copy, you know. That, you know, if we lose that one, then the federal government may forget. The territorial government may forget. So make sure we have files there. Keep the file current, you know. If you're going to be making a proposal, application, all that stuff, don't forget carbon copy. He knows how the system works. And he used that to help the community. It was always looking for something for the community to work for. He knows that what we used to call welfare, income support, he knows that that was not the answer. It's what people could do for themselves. But if the people were unable to go out hunting, unable to do anything for themselves, then we can use the program. How this community really grows is that it has to be a coordinated effort. That coordination came from Andrew Grussard. When we start building homes, we know we need the road to deliver water, ice, pick up garbage. We didn't have equipment, there was no truck, nothing. We improvised. Oh, dog team. Why not, eh? Dog team. We also have 45-gallon drums. Cut them in half, fill it up with gravel, transport it by dog team around this town and spread it. That's how we did our road, the first one, you know. What we pay people was minimum wage. That's very important. More important thing was that community development. That's how we saw it. Nobody complained about that. On voulait avoir notre propre avion pour la coopérative, pour emmener le matériel. Puis il fallait un avion assez grand pour les marchandises, parce que Peribé était vraiment isolé. Puis les autres coopératives
qui avait commencé voulait aussi avoir le service de cet avion-là. So the runway right here was the biggest project that the community ever undertook. I'm glad that Andrew Gustafs has worked in this community. He lives a very fond, strong memory in my heart anyway. I learned a lot from Andrew Gustafs, not only as a priest, man of God, but as a human being. Quand la fédération s'est faite, ils ont dû avoir des directeurs, des délégués de chaque région. Ils voulaient que je sois sur le board des directeurs. Moi, je dis non. Ils ont été voir l'évêque, Monsieur Robidoux, qui était là. Il était à Churchill. Ils ont été le voir. Alors, Robidoux a dit, s'il te demande, il faut l'accepter. Alors, comme ça, c'était dedans. Un beau jour, je me suis rendu compte que ça faisait 3 mois que je n'avais pas eu de lettre de lui. Alors, voici la dernière lettre que j'ai reçue du père Goussard le 6 janvier 1968. Mes chers amis, écrivait-il, la lettre de maman, ça c'est moi, et le petit mot de Daniel, ma fille aînée, me sont bien arrivés. Grand merci pour tout. C'était une joie pour moi. Le temps passe vite. Pelébé a changé énormément en une année. Il n'y a plus d'igloo dans le village. Il faut aller dans les camps pour les voir. Tous nos gens habitent dans des maisons. Tout l'été et l'automne, nous avons construit. Toutes les maisons, 32, sont debout et finies. Quel changement! Nous avons lancé une coopérative pour qu'ils restent au contrôle de leurs affaires. Il va sans dire qu'il faut encore beaucoup d'aide et tout cela prend beaucoup de mon temps. Merci encore. Et puissent ces quelques mots témoigner ma reconnaissance pour votre gentillesse envers moi. Je n'oublie pas les Davelui, quoique je ne vous ai jamais rencontrés. Que notre Seigneur vous bénisse tous, c'est ma prière. Monsieur André Goussard. Et voilà la dernière lettre que j'ai eue de lui. J'ai senti que c'était comme une lettre d'adieu. Et il me parlait maintenant de ses projets de coopérative, là. J'ai répondu, mais j'ai plus rien eu ensuite. Alors, c'est pour ça que j'avais conclu qu'il était sans doute allé en Belgique et qu'il était pas revenu ou qu'il était mort. Thank you.
Andrew Woosard became a priest here shortly after the fisheries co-op started. C'était pas énorme comme business dans ce temps-là. C'était, il n'y avait pas de magasin encore. Il y avait juste la pêche commerciale. Puis ils vendaient aussi des sculptures. Moi, je les aidais. Je dis, il faudrait avoir un magasin. As a fisheries co-op, a very seasonal job, you need to complement it so that it works. When we started building, we needed a carpenter, we needed a plumber, we needed electricians. Andrew was all of those. And it was all Inuit that built that old co-op store, and it's still standing up. Les gens m'appelaient Mr. Co-op. Je parlais toujours de ça. Today, we have retail outlet, we have hotel, we have cable vision, we have a gas bar, fisheries is still running. And I'm very proud to say that we employ pretty close to 1,000 Aboriginal people from the area. Andrew was someone that always has a smile on his face. Spiritually, Andrew was a wonderful person to be around. There's always, let's go for tea, let's go for coffee, you know? It come from a heart that really meant it. It wasn't, let's go because I want to see what I could get from you or whatever. Everything that we have today is because of him helping us how to put it together. It was very uplifting to be beside the man and work with the man. In 1975, I became chairman of the board, and so far, I have been re-elected every 3 years. I think you would not see people up here today if they did not live the cooperative way. I'd like to see that keep going. Est arrivé en 75, un an après que j'étais là, moi. C'était l'amour à première vue. Cambridge Bay, c'est 200 000 au-delà du cercle polaire. Elle était née en Belgique aussi. Elle avait enseigné pendant 2 ans en Niger. Quand elle avait vu qu'il y avait une annonce pour des instituteurs et institutrices dans le Nord, c'est comme ça qu'elle est arrivée à Cambridge. J'avais des amis à Cambridge Bay quand elle est arrivée. On s'est trouvés là pour un souper. Alors c'est comme ça que ça a commencé. Ça a été un grand pas, c'est certain, mais un bon pas. J'en avais besoin. Quand on prend des décisions comme ça, on connaît vraiment ses amis. J'ai tenu toujours à ma foi, et elle aussi. On est impliqué pas mal dans notre foi. J'étais tout sur la glace de la rivière, il faisait les rigots égaillés, yeah. Angouti Duke. That's where all our dogs had names, you know. Tous les chiens avaient des noms. Ici, c'était moi, là. Quand on... He's still there for all of us, and I know that. And I got his phone number, so anytime I need
anything, I phone him. Là, je sais maintenant ce qui lui est arrivé ensuite. Je pense que la différence entre son grand nord solitaire et la vie familiale chez lui a peut-être changé sa vocation, peut-être changé des choses dans sa façon d'imaginer le reste de sa vie. Mais j'en ai rien su. Moi, je le croyais mort quand j'ai appris soudain que non, au contraire, il était bien vivant puis il s'occupait d'une coopérative avec ses Inuits. J'ai été heureuse pour lui de voir qu'il y avait encore un bout de vie à vivre. Ma femme a travaillé pour la coopérative à Cambridge Bay. On travaillait ensemble là. Et ma fille, je ne peux pas dire que je l'ai dirigée parce qu'elle est trop indépendante. Exactly. Well, my mother, in her own right, she spent a lot of time working for the co-ops, and a lot of the work that she did was undocumented and unacknowledged in many ways, but it is very important still because it helped advance a lot of what happened. In terms of my personal involvement in cooperatives, I came to it very naturally through my family. And so I grew up understanding co-ops and learning about co-ops, and I grew to have quite a passion for it and understood the added benefit of running businesses cooperatively and collectively, and what that brings to communities. Je peux dire que ma force, c'est ça qui m'a fait, qui était mon dynamo. Ouais. Dans tout. Et je sais que pour Paul, c'était la même chose. Oui. Je ne l'ai jamais rencontré, mais on était très près quand même, je pense. Des beaux souvenirs. So the church originated in the 50s and was built as a stone church across the bay where the town site was originally. It was built by some priests. They opened it in 1955, and they had 9 parishioners. The grace of our Lord Jesus Christ. And here we are now, almost 60 years later, and we still have about 9 regular attenders coming to church. For the first 10 years I lived here, services would stop from June, July, August. No church at all. The church would close. And then I was always here in the summer. That's when I started. I said, I'll volunteer to do the summer service because I wanted to continue as the lay leader of the church. Les jeunes, il y a l'attrait du sud. Il y en a qui réussissent, il y en a d'autres qui
peuvent pas s'acclimater. Un autre défi, c'est les drogues qui arrivent, la boisson. Ça détruit pas mal. Et je l'appellerai le manque d'espoir. You have to push each other to see who passes it first, and if you pass a line, you win. That's called the muskox fight. I heard a million times before in politics, how do you say the young people? How do you say the future? We need the support of the regional government. We need the support of the territorial government. We need the support of the federal government. One effort, one initiative is not good enough. It takes everyone to support a child in the community. Your school, your social worker, your enforcement agency, your council, the parents, brothers and sisters. So it takes everybody to ensure that the future is brighter than the past. You gotta have a lot of strength to do that. It's really hard. What you're really supposed to do is keep your whole body straight and try to go as far as you can. Don't forget the traditional way of living. We have to use some of the values from our tradition. Pour les jeunes, ça se comprend pourquoi. Ils ont été dans les écoles, puis ils ne voient pas d'issue. Comment est-ce qu'on peut arriver alors? Le défi, c'est de créer assez d'emplois pour les gens et de motiver, de continuer à motiver les gens là. If I can compare what the life was in my days when I was young, when we were always out on the land, the kind of life we are living today, there's a big difference, very, very big difference. When we were living off the land, it was hard, physically. Mentally, life seemed better in those days. Today, we worry about things like telephone bills, electricity. Our family member getting into trouble with the law. You know, try and reduce the poverty for the people out here. Qui sont nous, on les appelait les maisons allumettes, boîtes d'allumettes. Monique Pichet faisait partie d'une congrégation laïque des Oblats au Québec. Monique était très jeune quand elle était montée là. Quand j'étais là, je me disais, ils partent de l'igloo. Et aujourd'hui, on dirait à l'Internet et tout. Ils sont habiles pour apprendre ces choses-là, mais l'influx des influences, ça doit les submerger. C'est beaucoup d'adaptation. La langue, la communication, les ressources pour gagner leur vie, les effets néfastes. Je vous donne un exemple. Pendant que j'étais là, tout à coup, les boissons gazeuses deviennent populaires. Puis les bonbons. Mais les gens n'avaient jamais vu de caries dans leurs enfants et ils n'étaient pas habitués de leur dire de ne pas manger du bonbon parce qu'autrefois, on ne disait jamais « ne mange pas ça ». Tout était bon. Alors, ça créait une adaptation assez rapide. Et aussi, il y a la diète. On ne voyait pas de personnes obèses dans le temps. On n'en voyait pas. Et tout à coup, il y a de la nourriture qui n'est pas bonne. Alors, comment juger? Lorsque la Fédération des coopératives a été fondée à Yellowknife, André était très impliqué à ce moment-là, et c'est là que je l'ai connu plus. J'ai beaucoup admiré son acuité au niveau des finances, son respect des personnes et son sens de communauté pour survivre. Et ça, il tombait pile dans ce que les gens du Grand Nord avaient toujours vécu, mais beaucoup plus largement maintenant qu'ils étaient dans des villages plus gros. Alors, de savoir collaborer ensemble pour une meilleure vie.
Et je sais qu'il s'intéressait beaucoup à l'art chez ces Esquimaux. Et quelquefois, il m'envoyait sur l'enveloppe un dessin fait au crayon d'un de ces jeunes. Et c'était toujours magnifique. My very first carving, I was 8 years old. I was carving with my uncle. He's passed away now, but he was a very good carver. When I watch him carve, he said, don't talk, don't ask questions, just watch. So I watch, and he would grab a rock, and he'd look at it, and sometimes he would be very serious, his face, and when he looked at it in a different way, then he started smiling, and different way he looked at it again, he started laughing. So each time he sees something else, that's what really got me. So from there, I never quit, always, always carve. On sait maintenant comment ça change vite dans le Nord. Alors, c'est important qu'ils soient enracinés dans leur culture et surtout d'en être fiers. La chasse et la pêche, il y en a de moins en moins. Peut-être tu peux être infirmière si tu apprends. Et tu peux être prof. Ensuite, il y a peut-être des emplois du gouvernement. Si les gens ne sont pas ancrés dans la fierté de qui ils sont, ils se perdent. Ils se perdent, ils ne savent plus qui ils sont et on manque de fierté d'eux-mêmes. Not everybody can have a job, and there wasn't that many jobs in town. Of course, everybody needs to make a living. Now we have a place we can bring our carving, and they can buy it from us, and we can be a member of the co-op. That was exciting because we have a place to go that's considered our own. Father Goussard, he had ideas that were not just dreams, they were real. It's easy to go into the co-op. It's part of the community. And the people that work there, they're from here. At the Northern or Hudson Bay, they fly people in to work from down south. There's enough people here to work. Les Esquimaux, quand il en parlait, il disait toujours « nos gens ». Et il en parlait avec beaucoup d'affection. Il les aimait vraiment. C'était des collaborateurs avec sa mission divine. Et c'était aussi des gens qui, disait-il, riaient tout le temps. Malgré les difficultés, ces gens-là étaient toujours de bonne humeur. Et toujours prêts à aller plus loin, à entreprendre des choses. Ce qui me restait de tout ça, j'ai jamais eu peur. Je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y avait toujours quelque chose de plus fort que moi qui travaillait dans tout ça. Et j'ai jamais manqué. Même quand on avait faim, même quand on n'a rien à manger, il y avait toujours l'espoir. Mais ça ne m'a jamais quitté. C'est une grâce, je pense. Moi, ça vient pas de moi. C'était un homme donné à une cause entièrement et joyeusement. Et j'appréciais beaucoup ses lettres parce que ça reflétait ça, ce qu'il était. Et je regrette beaucoup de ne pas l'avoir rencontré et que mes enfants ne l'aient pas connu. En tout ça, c'est certainement ma foi qui m'a gardé. Et qui me garde toujours. Et qui me garde dans l'amour total. C'est ça qui est tout.
Ça a été une belle vie. J'ai reçu bien plus que j'ai donné.